Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 7 au 12 août. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 7 et le 12 août, eh bien l'ange Seiya est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Seiya porte la vibration numéro 28 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le quatrième ange de la famille des 8 dominations. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange, Seiya, il fait partie de la Séphira numéro 4, Ezet. Et dans cette Séphira, c'est l'archange Zadkiel qui est dans cette Séphira. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les séphirotes, puisqu'il y en a 9? Eh bien, les séphirotes sont des centres de vie, des transformateurs énergétiques de l'énergie du Créateur. Et ici, ben, je vais brièvement vous dire la séphira numéro 4, Ezet, les caractéristiques spécifiques de cette séphira. C'est le centre de vie porteur d'abondance, d'organisation, de concrétisation, de pouvoir et d'autonomie. Et la Séphira EZ a un caractère paradisiaque. Elle est associée symboliquement à la planète Jupiter qui représente entre autres l'application des lois, la sociabilité, l'optimisme et l'expansion en général. Alors ce bel ange, Seiya, la prévoyance, ce bel ange, et il fait partie des 8 dominations. Qu'est-ce que c'est les 8 dominations? Eh bien, ce sont ces anges qui éveillent la force de combattre les pensées noires et les énergies négatives. En chassant les ténèbres de l'esprit, eh bien, ils permettent de retrouver la foi dans la vie. Alors, les dominations dispensent l'assurance qui découle de la confiance envers l'univers et le divin. Ils accordent le simple bonheur d'exister, indépendamment des conditions extérieures. Grâce à eux, il est possible d'accueillir et d'apprécier chaque instant du quotidien. Ces anges puissants facilitent l'expression de tous les talents et permettent à chacun de faire fructifier ses richesses intérieures et extérieures. Ils favorisent, eh bien, la bienveillance et l'équilibre qui naissent d'une relation d'échange avec le monde. Le cœur des dominations est associé à cette belle couleur bleue. Cette couleur apaisante apporte la conscience du divin. Elle accorde confiance et paix intérieure. Alors ce bel ange, c'est Seiya, le sauveur, l'ange de longue vie qui protège des chocs physiques et psychologiques. Il accorde prudence, résistance et vitalité. Il assure une longue vie saine et sereine et aide à guérir, eh bien, des malades. Il protège également des accidents et de tout ce qui pourrait contribuer à diminuer la longévité. Avec cet aspect d'ailleurs, le natif ne craint pas la mort et ne considère pas celle-ci comme quelque chose d'inéluctable. Il vit sans se préoccuper des saisons qui passent dans la joie et le bonheur, d'une vie sans souci et sans contrainte, avec une philosophie de simplification. Ce bel ange Seiya représente la force de vie. La force de vie est de création apporte inéluctablement la notion de destruction de la vie. Il nous amène donc à regarder toutes les énergies de destruction et de violence présentes
sous toutes leurs formes en nous. Il nous permet aussi de retrouver toutes les possibilités que nous avons de créer et de détruire la vie. Cela représente un pouvoir immense au niveau cellulaire. Pouvoir de la création, pouvoir du créateur, pouvoir de la flamme, pouvoir de la purification, pouvoir de la transmutation, pouvoir de l'illumination, pouvoir du « je suis ». Nous disposons d'un immense pouvoir en nous et nous ne le savons pas. Il nous apprend ce bel ange à le découvrir, à l'utiliser et à développer la force psychique qui est liée. Cette relation est liée au Créateur. Nous avons ainsi le pouvoir de redonner la vie où elle s'éteint. Nous avons donc le pouvoir de guérir. Nous avons aussi celui de détruire la vie. L'Anchéia nous permet de retrouver la mémoire des vies ou des moments où nous avons détruit la vie. Il nous met face à nos peurs du pouvoir, car nous avons peur de détruire à nouveau. Et il nous amène la notion de pardon. Nous redonnons confiance en nous et en ce que nous portons. Dieu nous a pardonné depuis longtemps, n'est-ce pas? Il a toujours confiance en nous, en notre force et en nos possibilités. Eh bien, par l'ange Seiya, il nous ouvre les voies, celles qui permettent de remettre la vie là où elle a disparu, dans un jardin ou dans la nature, dans la nourriture par exemple. Il nous suffit de toucher à la vie, ce rééquilibre, et voilà. Nous ne savons pas pourquoi ni comment, mais la vie le sait. Alors ce bel ange Seiya, eh bien, il nous aide tout simplement à rééquilibrer ce que nous avons fait et vécu. Nous retrouvons ainsi en nous la patience, une patience dont nous ne nous croyons pas capables face à la vie. Nous retrouvons cette patience et des forces énormes pour donner la force de vie qui nous détenons. Que nous détenons en nous. Plus nous donnons, et plus elle se renouvelle en nous, tant il est vrai qu'elle se nourrit d'elle-même. Par contre, si nous ne la donnons pas, elle diminuera jusqu'à nous amener peut-être à l'envie de suicide. La clé pour nous est donner la vie, pas la retirer. Ce bel ange Seiya équilibre dans l'action, il amène discernement et justesse dans tout acte à poser et responsabilise l'acte de vivre et nous montre la magnificence de la vie et celle de vivre. Il nous permet de comprendre la quintessence de l'acte de vie est lié à la guérison et à la santé de l'être. Et ainsi, eh bien, il nous amène la longévité. Il permet que la vie retrouve son cycle et ne soit pas entravée par les maladies de l'être et de l'âme. Il nous montre ce qu'est la non-circulation de la lumière, notamment dans le sang. Le sang est lié à la vie et représente un canal extrêmement important qui sert de véhicule à la lumière. La lumière purifie le sang et transmute beaucoup d'énergie, dite perverse, qui transite par celui-ci. L'ange, ce bel ange Seiya, eh bien, il nous montre comment guérir et nous donne
les moyens de la guérison de la matière et comment amener la lumière là où elle n'existe plus. Il nous permet de nous reconnecter à nos origines, celles qui ont été créées, la vie, et ainsi retrouver le Créateur dans nos cellules. Il amène la joie immense de vivre et de créer le bonheur partout où nous sommes, partout où nous illuminons de vie. Les lois font que l'équilibre de la vie persiste. Les lois font qu'un jour, la vie reprendra sa place telle qu'elle est inscrite. À nous de la faire grandir et de l'aider à reprendre sa place. Pour cela, eh bien, l'ange Seiya nous aide. Nous aide à être les transmutateurs, les transmetteurs de ces lois, de la lumière et de l'énergie de vie. J'en viens à la prière. Bel ange Seiya, aide-moi à prendre conscience de mes erreurs, afin que la douleur, porteuse de sagesse, ne soit déjà plus nécessaire. Un lourd karma gravite sur moi et je veux ton aide pour m'en dégager. En accomplissant les devoirs et obligations concernant mes proches, la société. Car cela a déjà le fait de t'avoir pour ange gardien veut dire que je suis créditeur de certains privilèges gagnés en faisant le bien. C'est ce que j'aspire. Guide-moi, ô bel ange Seiya, pour que j'administre avec prudence les biens que je recevrai de toi. Illumine mon âme pour que je comprenne le sens des épreuves et ensuite, eh bien, déjà propre des scories du passé, fais de moi l'un de tes associés dans l'œuvre divine du monde. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions humaines. Alors, dans les qualités de ce bel ange Seiya, nous retrouvons prévoyance, longévité heureuse, protection contre la foudre, les chutes, les accidents, les incendies et les maladies, guérison miraculeuse, réhabilitation, santé, protection providentielle, assurance céleste, accorde la sagesse via l'examen des expériences vécues, pressentiment, inspiration protectrice, prudence, capacité de prévoir les événements. Et nous terminons dans les qualités grand calme. Dans les distorsions humaines, nous retrouvons imprévoyance, imprudence, inquiétude profonde, problème de longévité, peur du changement et de la mort, anxiété, peur du futur, activités superficielles qui servent de compensation, et toujours inquiet et préoccupé pour les autres, manque de confiance dans le destin et les plans de vie prévus par l'intelligence cosmique pour tout un chacun, incohérence, chute, accident, maladie, ruine, tumulte, turbulence, déclenche des catastrophes, actions irréfléchies, écervelée, étourderie, énergie tourbillonnante, volonté excessive, caractère colérique, et nous terminons dans les distorsions humaines
paralysie intérieure et extérieure. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Je remercie tous les abonnés, tous mes abonnés. Je vous embrasse tout fort. Merci pour votre écoute. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors, on se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange réel, porteur de la vibration numéro 29 dans le calendrier angélique. Il régira du 13 au 17 août. Vous pouvez aussi déposer votre demande d'attention en commentaire si vous le désirez, toujours en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous dans la douceur, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse tout fort et à tout bientôt.